Salut, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir ma boutique. Il y a des tas d'objets à l'effigie de mes vidéos, du roleplay prison, du roleplay école, des vidéos avec mon fils et plein d'autres choses. Donc tu trouveras des t-shirts, des mugs, des sacs, des stickers et plein d'autres choses. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller acheter des produits et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Et bonjour tout le monde, Soximos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, eh bien on a rendez-vous avec Talcado. On va aller faire quelques petits achats et tout. Vous allez voir, ça va être super sympa. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un maximum de likes. Une vue est égale à un like. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours. Merci beaucoup, on a été 530 000. Enfin on a atteint les 530 000 abonnés. Je vous remercie énormément, ça fait trop plaisir les potes. Et voilà. En plus, je vous avais fait un cadeau. Je vous avais dit que s'il n'y avait pas 530 000 lors de la vidéo d'hier, eh ben je ferais pas la vidéo d'hier où on ouvre le bunker. Et finalement, je l'ai fait. Donc vous avez vu, vous avez été super sympa dans les commentaires à me dire ouais, merci beaucoup Oximos de l'avoir fait quand même. Donc voilà, je vous dis de rien tout simplement. Et voilà. D'ailleurs, avec Talcado, on va pas que faire des petits achats. On va aller lui montrer les nouvelles armes qu'on a trouvées dans le bunker. On va tout lui faire visiter. Donc voilà, ça va être vraiment sympa. Bon, les amis, du coup, comme d'habitude, je tiens à remercier les sponsors. Donc il y a eu Richard, la mini Roblox gameuse. Galacto Boss, on dirait Talcado mais Galacto, Mufida, et il y a eu Nadia. Merci beaucoup à vous, ça fait super plaisir. Donc pour ceux qui veulent avoir leur dédicace comme tous ces gens là à chaque début de vidéo, et eh bien vous cliquez sur le lien deviens membre dans la description. C'est un abonnement payant, donc voilà, il faut que vos parents soient d'accord ou que ça soit votre argent, mais ça me fait super plaisir, c'est super important, ça m'aide vraiment beaucoup. Et surtout vous avez plein de petits avantages, comme par exemple, et eh bien vous pouvez parler pendant les premières diffusions, vous pouvez me parler à moi, vous avez un pseudo en vert dans le chat et tout, vous avez même un badge dans les commentaires et tout, c'est trop stylé, ça vous différencie vraiment des autres et c'est super cool. Merci beaucoup à tous ceux qui achètent les t-shirts et tout. J'ai oublié de mettre les photos pour les nouveaux t-shirts, mais j'ai fait une nouvelle gamme entre guillemets avec mes mini clones, ils sont trop mignons. Donc allez voir sur la boutique, vous descendez soit tout en bas, soit sinon vous choisissez ce que vous voulez acheter. Par exemple, si vous voulez acheter un mug, vous descendez tout en bas des mugs et vous allez avoir moi avec tous mes petits mini clones. Et vous allez voir, juste ça vaut le détour, même si vous comptez pas acheter, allez juste regarder sur ma boutique Teespring, c'est aussi en description, juste en bas les t-shirts. Bon, du coup on va attendre Talcado parce que je l'attends de pied ferme les amis. Il faut que je lui présente cette merveille de bunker, parce que là la porte qu'on a ouvert hier, il faut que je lui montre toutes les armes, parce que là c'est juste incroyable les amis. Donc il n'y a pas Boulox aujourd'hui, il n'y a pas non plus Pepito, ils sont pas là, ils peuvent pas être là tous les jours. Normal, ça va pas être des gens qui vont être là tous les jours comme bah, un peu tous mes personnages. On fait tourner comme d'habitude. Donc là aujourd'hui il y a Talcado, et d'ailleurs il m'a dit qu'il y aura peut-être une petite surprise et tout, il y a un truc inattendu, donc on va voir ce que c'est. Voilà, j'ai pas trop compris, il m'a parlé au téléphone et tout, j'ai pas compris, voilà. Il y a toujours Loupi comme elle dort tout le temps, je vais juste aérer un peu, genre je vais mettre, voilà, je vais laisser allumer comme ça, elle dort, elle prend un peu l'air et c'est vraiment plutôt cool comme ça. Donc qu'est-ce qui... Oh, t'as le cadeau? T'as le cadeau? Oui, je t'ai, oui, c'est mon côté allemand. C'est ton nouveau gamin. Pourquoi t'es resté ici, t'as pas bougé? Parce que je t'attendais et tout, je voulais klaxonner, mais je trouve pas klaxon dans mon AMG. Alors, peut-être t'as un petit problème visuel, t'as le cadeau, mais c'est une voiture de golf. Hein. Ah, mais c'est un bolide, eh, ça va super vite. Hein. Ah ouais, bah eh, ouais. 300 ouais. chevaux sous le capot. Hein. Ah ouais, 300 chevaux, bah oui. toujours plus. D'où t'as ce genre de voiture-là? Pourquoi t'as chopé Carlos, une voiture de golf? Carlos, il m'a prêté ça. Eh, Carlos, vraiment, il avait plus en verte, il avait plus en verte. Ah ok. Mais lui, c'est vraiment le seul gars à trouver des trucs pareils. Bon, bah écoutez, une voiture de golf, tout va bien. Bon, ça va, t'as le cadeau? Ah, ça va, tranquille, hein. Donc, tu voulais me présenter un truc, je sais pas, tu m'as parlé au téléphone d'un truc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi de nouveau? De quoi il y a quoi de nouveau? Ah, bah moi, je voulais aller faire un petit tour dans ton bunker là. Ah oui, enfin, mais genre, tu m'as parlé de l'épicerie ou je sais pas quoi, j'ai pas compris. Ah ouais, faut qu'on aille faire des courses en plus, il y a un nouveau vendeur à Skip, donc maintenant on peut plus voler et tout. Du coup, on va voir s'il y a quand même moyen de voler. Bon, le vendeur il est assez dupeur pour qu'on puisse voir ce qu'on peut voler. Vas-y, bon les amis, objectif voler un truc. C'est pas bien de voler, mais objectif voler un truc, c'est dans Minecraft. Hein. On va le faire dans l'épicerie d'à côté. Vous savez, l'épicerie où il n'y a jamais de vendeur, où on a toujours payé. Bah, on va voir. Bon, du coup, t'as le cadeau. Hier, tu sais très bien, on a atteint les 530 000 abonnés. Enfin, on les a pas vraiment atteints, mais ouais, tu m'as compris. Tu les as là ou pas? Là, je les ai. Donc félicitations, merci à tous. Et du coup bah on a ouvert la porte des 530 000 abonnés. Tu sais, c'est le couloir qui mène. Moi j'ai pas vu, parce que moi j'étais là pour la semaine dernière. Enfin la semaine dernière, non, il y a deux semaines plutôt.
C'était pour l'autre porte, l'autre truc. Là. Ah ouais, où on a vu Usko décoller ouais, là. Ouais, 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 bah moi j'étais là. Ah, mauvais. Oui, donc là on peut aller parler. Mauvais, mauvais souvenir. Ouais. Bon, du coup là ça sert à rien d'y aller. Enfin, on a aussi accès à la même porte, mais voilà. On a ouvert la porte des 530 000. Et là, quand on arrive, eh bien, on a tout simplement le. Bah, tu sais, c'est le laboratoire pour construire la fusée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment. On a trouvé des armes du futur. Je vais te montrer. Ah ouais. Donc regarde. Déjà. Les machines ça, c'est de taré. Ça, c'est quoi ça? Alors, je sais pas, la texture est buggée, c'est marqué Electric Arc Furnace, donc en français c'est un four à arc électrique, j'ai pas envie de voir la vraie texture, ouais, mec. C'est buggé. C'est totalement buggé, c'est Usko qui a dû faire bugger les textures et tout, mais de toute façon, là, ce qu'il faut faire, c'est fabriquer des pièces de fusée et tout. Alors, je sais pas qui pourrait m'aider, les amis, dites-moi d'ailleurs en commentaire qui pourrait m'aider pour. Ah oui, Carlos. Ouais, mais Carlos, tu sais, il est un peu bête et je pense pas qu'il pourrait tout savoir. En donc, fait, ouais. Il y en a, ils m'ont dit dans les commentaires, tu te rappelles ton père et tout, enfin le grand-père de Niels. Parce qu'en vrai, c'est pas mon père, les amis, c'est le grand-père de Niels, donc du côté de sa maman, en fait. Donc voilà. Et en fait, le grand-père de Niels, vous savez, on est déjà allé le voir, il est aveugle et tout, mais c'est un surdoué. Donc pourquoi pas, peut-être qu'il connaît des trucs. Donc faudrait aller le voir. Il y a des abonnés qui m'en ont parlé. C'est vrai que j'avais fait qu'une seule vidéo avec lui il y a longtemps. Vous tapez mon fils rencontre son grand-père sur YouTube avec Oxymose, mon fils rencontre son grand-père, vous allez trouver. Voilà. Et du coup, il habitait entre la maison du savant fou et ma maison. Tu te rappelles, c'était une petite maison en bois, ouais, je sais pas si t'avais déjà vu tel cadeau. Bon, du coup, il y a pas mal de machines. Elles servent, regarde, il y a Oxygen Sealer. Là, on ne peut même pas cliquer. Là, il y a une raffinerie, un chargeur de fuel, Electric Furnace, Déconstructeur. Electric Furnace encore, tu vois, il y a vraiment plein de machines. Il y a pas mal de trucs. Et du coup, là aussi, on a cassé les trucs, voilà. Et du coup, ça mène au pas de tir. Donc, à mon avis, ma théorie, c'est que Usko, il a construit sa fusée ici. Tu vois, c'est en forme de fusée. Et en fait, on a trouvé, regarde, je te donne ça. On a trouvé des éléments de fusée. Voilà, c'est que des bouts, mais on n'a pas le reste. Tu vois, quand tu les rentres ici, tu mets la carlingue. Enfin, voilà, tu m'as compris. Ok, donc là, j'ai ça. Ah, ok. Tu m'as compris, voilà. Donc en fait, il faut juste finir la fusée. Une fois que c'est fait, il faut la faire glisser jusqu'au pas de tir. En gros, il manque deux moteurs et du plaquage lourd. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Et le bouclier thermique, on l'a déjà, donc voilà, bénef. Et regarde ce qu'il y a dans le coffre. C'est quoi cette arme? Alors fais très attention, faut aller dehors. Va dehors pour tirer. Voilà, bon, ça va, t'as une arme pas très puissante. Fais gaffe, endommage pas le bunker parce que si on doit faire une fusée, voilà. Ouais. Allez, viens, on va en haut. Non, mais prends l'arme avec toi. Ok, on va les tester. Hop, voilà. Ok. Bon. Ils sont plus fusées, on peut scope. Eh, t'as pas tout vu, t'as pas vu toutes les armes, c'est incroyable. Ok. Hop, voilà. On monte ici. Vas-y. Ah oui, il y a tout ça, c'est là où a décollé Usko. Ouais, c'est là où a décollé Usko, donc c'est là où on va décoller aussi. Wouah, mais t'es sérieux, t'as le cadeau? Ouais, je suis kebab. Ah ouais, bah, moi aussi aujourd'hui. Grec salade tomate oignon. Non, moi Grec. Ah non, moi c'est samouraï sans légumes. Juste le pain, la viande, gros. Je suis un warrior. Bon, du coup, on l'a fait de nuit. De jour, c'est moins impressionnant. Bon, il y a encore de la. Ça, c'était les essais, ça. Mais regarde ça, mon gars. What the fuck. Il y a une batteuse. Tiens. Il y a un pistolet laser. Regarde le bail. Ah ouais, ça je crois que je connais Rick, il en a un comme ça. Ouais, bah Usko il a fabriqué ces armes là et en fait je pense qu'il les a oubliés en fait. Je pense qu'il les a oubliés avant de partir. Donc on va s'en servir contre lui pour le buter. Ah non, Rick il a pas la même. Regarde, ça fait des boules de plasma, on dirait. Ouais, de plasma, ça par contre Rick il a pas ça non plus. Hein. Il s'appelle le pistolet atomiseur. Ok. Tu veux voir ? Il y a le Alien Blaster. Alors Alien Blaster, ouais. À mon avis. Alien Blaster, ça Rick il en a. Ok, Alien Blaster en français ça veut dire le destructeur d'alien, je crois. Et ça porte bien son nom parce que regardez la lueur que ça fait. Ouais, c'est ce que Rick nous a donné pour essayer de tuer, enfin de capturer le frère de Carlos. Bah alors pour ceux qui savent pas, Rick les amis c'est un personnage qui est sur la chaîne de Talcado. Puisque moi il est jamais allé sur ma chaîne, mais c'est un espèce de savant fou aussi. Et voilà, si vous voulez aller le voir, il fait des trucs vraiment, des expériences vraiment bizarres. Et c'est sur la chaîne de Talcado. Ouais, merci. Donc voilà. Bon. Oh, regarde, ça fait des arcs électriques, ça. Alors ça, par contre, ça, fais voir. C'est un Tesla Gun. Alors ça, c'est un truc de ouf, ça. Waouh. Oh là là, waouh. Eh, mais ça, mais alors, Usko, il part. Frère, il part en. Bon, on a récupéré en vrai. Hein.
Ah ouais. Heureusement que tu les récupères. Et tiens, regarde, je te donne mon préféré. Attends, on peut tirer. Ouais. Wow. Lui, je le... Bah lui, c'est celui que j'ai lu, je le connais lui. Lui, Eric, il me l'a filé. Lui, je le connais. Ah, il est incroyable. Ça, ça limite en vrai si tu vas sur la planète de Husko. Ouais. Ah mais là, bah, il c'est est carré pour essayer, mais faut voir. Bon, je pense qu'il en a pas de ça, lui, Husko. Lui, il doit avoir les gros trucs verts là. C'est quoi? Les gros trucs verts. C'est ça là. C'est quoi le truc vert? Ah, je. Je l'ai. Attends. Je l'ai aussi. Alors regardez, il est dans le mode, les amis. Faut que je le trouve. Mais par contre, il fait des dégâts. C'est ça le problème. Ouais, bon, on va pas l'utiliser. Viens. Bah, on peut l'utiliser dehors. On s'en fiche. La ville, elle est grande. Les voisins, ils vont pas gueuler. Ils savent pas que c'est nous. Là, tu veux qu'on aille dehors encore? Ouais. Je crois que c'est le biogun. Je suis pas sûr. Je vais regarder parce qu'il y a tellement de trucs. Regardez ça. Il y a des armes du futur, les gars. Il y a des armes du futur. Pulse Rife. Je vais regarder si c'est celui-là. Non, c'est celui-là. C'est bon. Alors, on va tester les armes. On remonte. Voilà. Et ça aussi, c'est des armes que Husko il a laissé parce que, en fait, il nous a laissé un catalogue d'armes et on a pu les commander. Vous savez, avec. Si vous avez suivi la dernière vidéo, il a un PC dans la. Arrête de me tirer dessus. Purée, tu m'as frôlé, hein. Fais gaffe, ouais, c'est mortel. Donc ça, regarde. Bon, ça c'est le truc, ok. Et ça, c'est quoi? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Biogun. C'est de l'acide. Ah ouais. Et ça, regarde, ça c'est mon préféré, par contre, il fait mal. Regarde ça. Oh oh. Hardcore. Il y a ça. Hardcore. Et ça fait. Wouah. Ça c'est les armes du Husko, ça. Ça c'est les armes du Husko. Et du coup tu sais on a pu les commander sur son PC parce que dans son laboratoire il y a un PC avec genre ça s'appelle Minebay, genre c'est eBay mais version Minecraft et du coup on a pu acheter des armes. Ouais. Stuleux. Hors vidéo. Plus, mais t'as pu acheter les armes de sa planète. Ouais. Bah le truc il s'appelle TFG 10K. Regarde le bail. Ça fait une boule de feu verte. Mais ça se trouve, il a des armes encore plus puissantes. Hein. S'il a ça, c'est qu'il a des armes encore plus puissantes. Ah ouais, faut faire attention. C'est par là qu'il faut remonter, ouais. C'est par là. Ouais, on remonte, tu remets toutes les armes bien au chaud. Ouais. Et après, tu vas me montrer ce que tu me parlais là parce que. Ouais. Parce que, je sais pas. Bon, après, on va se calmer, hein. On va se calmer. Tac. Bon, en tout cas, les amis, si ça vous plaît, bien n'hésitez pas à mettre un max de likes. C'est super important. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je suis d'accord. Tu es d'accord. Est-ce que tu vas t'abonner? Bah, moi, je suis déjà abonné depuis T'es 2700 abonnés. C'est vrai qu'à la base, t'as le cadeau, c'était un abonné et il est devenu youtubeur. Ah merde. Oh le connard. T'as le cadeau, il est devenu youtubeur, mais à la base, c'était un petit abonné, c'était un fanboy de moi et du coup, je disais, ouais lâche-moi, mec. J'étais un fanboy. Et ouais. Et maintenant, c'est un gros youtubeur, donc voilà. Vas-y, du coup, tu dois me montrer quoi? Déjà, viens, on y va en voiture de golf. Dans mon gamos, dans mon. Vas-y. Dans mon côté allemand. C'est vrai que là ça dévoile un peu ton côté allemand. Oh purée, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en gros, je vais vous raconter un peu ma vie. Fais un petit tour en voiture en attendant. Mais en gros, je suis allé chez mes parents aujourd'hui. Tu vas halluciner quand je vais te dire ça, t'as le cadeau. Et Awaris, il va être choqué aussi. Fais un petit tour, voilà. Donc, vas-y. Ouais, je pense parce que c'est incroyable, je sais pas si j'ai le droit de le dire. En gros, vous savez, j'ai arrêté le lycée, j'ai eu mon bac, et du coup, là, c'est bon, j'ai déménagé et tout. Donc, en fait, là, mon père, il achète des vieux trucs et tout. Et en fait, il a acheté un vieux bouquin avec des photos qui datent d'il y a 100 ans de ma ville. Une centaine d'années, 50 ans, 70 ans, tout ça, des photos d'archives de ma ville. Et c'est un petit village et tout. Et en fait, il y a des photos de pendant la Deuxième Guerre mondiale où on voit des soldats allemands dans mon lycée. Et il y avait un endroit dans mon lycée avec une grande statue que je squattais. Et bah, au niveau de la statue, il y avait un drapeau des Allemands de la guerre. Enfin, voilà, je fais pas de dessin, vous avez compris. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Dites-vous, tu vois de quoi je parle, t'as le cadeau. Bah oui, je vois. Et j'ai pris en photo, je te montrerai, je peux pas le montrer en vidéo évidemment, parce que c'est des trucs démonétisés, vous savez, c'est avec la guerre et tout. Enfin, si vous connaissez un peu la Seconde Guerre mondiale, vous savez de quoi je parle. Mais il y avait des soldats allemands dans mon lycée qui faisaient des pauses. Donc tu dis qu'en gros, à l'endroit où t'étais dans. À l'endroit où j'ai squatté statues, pendant 3 ans avec mes potes. Avant, il y avait des soldats nazis qui étaient. Ouais, voilà, t'as tout compris. T'étais au niveau de la statue. T'as tout compris. Chaud, hein. Genre, j'ai des photos. Pendant 3 ans, j'ai squatté un endroit avec une statue dans mon lycée avec mes potes. Et en fait, sur des photos d'archives, je vois qu'il y avait des soldats allemands et qui étaient en train de poser devant mon lycée. J'ai halluciné. Bon, du coup, c'est où que tu veux me. C'est où que bon, tu veux on va à la supérette. Ah, bah. Supérette. Elle est derrière. Ah oui, c'est la supérette, il n'y a pas de vendeur justement. Ouais, c'est ça, mais maintenant il y a un vendeur. Ah ouais, d'accord. On va aller le voir. C'est enfin, ici. Ah non, c'est à côté. Non, c'est à côté, c'est à côté. Attends. Ah oui, punaise, je suis bête.
Ouais, là c'est le magasin de vêtements là. Ouais, bah c'est à côté. T'es sûr qu'il y a un vendeur hein, parce que. Ouais, je crois. Vous rappelez les abonnés, il y a jamais de vendeur. À chaque fois on paye, on jette. Ouais, il y a un vendeur, C'est vrai. Genre. Ah ouais. Ah, une vendeuse même. Bonjour madame. Bonjour madame. Bon. Du coup, on fait vite, hein, on vole. Alors. Wouh. Ouais, on va acheter. Ouais, ouais, non, ouais. Non, y a pas de vol dans ce magasin. Ah ouais, je vois. Ah ouais, vous non, avez mais mis c'est une des. Vanne, hein, parce que genre à l'ancienne. Bah tranquille et tout. Hein. Non, non, à l'ancienne on payait. On a toujours payé, voilà. Mais j'ai vu ça, y a jamais eu de. Jamais eu d'infraction. Ah ouais, mais du coup, vous êtes nouvelle ou vous êtes là depuis longtemps? Enfin, genre parce qu'on voit jamais en fait. Genre à chaque fois on paye comme ça. Non, je suis là depuis longtemps. C'est juste que j'ai d'autres magasins. Du coup, je peux pas toujours être là, j'ai plein d'autres magasins. Ah, d'accord. Ok, donc c'est. Confiance, il n'y a jamais de vol, donc. Ah, bah voilà, on n'est pas des voleurs, nous. Hein. T'as le cadeau, tu voles pas. On essaie de faire bonne impression, là. Je suis en péta, ouais, j'étais un ouf, quoi. Ouais, non, je vais payer à ta place alors. Ça va. Bon, Je le surveille, hein, parce qu'il fait des trucs bizarres. Bon, ouais, bah. Merci. Hein? C'est bon? J'ai pris ça. Oui, bon, t'as le cadeau, il a rien pris, hein. T'as le cadeau, il a rien pris. Bon, du coup, ouais, ça bah fait non, plaisir. C'est toi qui paye. Bah, c'est toi qui paye. Quoi, mais qui. Ça... Ouais, non, stop. Non, c'est bon. C'est bon. Mince, la table. Non, bon. La pizza. Voilà. Ouais, bon, on va payer finalement. Ouais, voilà. Hop, je sais même pas ce que t'as pris. Bon, c'est pour la soirée de ce soir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y. Ah ouais, nickel. Bon, du coup, bah, c'est bon. T'as payé, c'est bon? Non, mais je vais payer, c'est bon. Or. Oh, j'ai un truc à te dire, t'as le cadeau après, vraiment important. Ouais, ok. Gold, voilà. Alors, c'est combien d'or, madame? Ça fera 15 or, s'il vous plaît. 15 or? Mais ouais, c'est hors de prix, je donnais moins d'or, moi, avant. Alors, bon, bah, je dors. Wouah, t'as le cadeau, arrête. Ok. Ouais, en plus, devant la madame, en plus. Eh, viens voir. Attendez, on va payer, je reviens. Vas-y, à tout, hein. On se taille. Non, je rigole. Eh, mais elle est trop belle, la vendeuse. Quoi, elle, là? Ouais, elle est trop belle. Ouais, par contre, elle nous regarde chum, hein. Non, elle nous regarde pas chum, c'est juste toi, t'arrives, tu rotes, tu veux voler des trucs, elle entend. Mais attends, elle est super belle, faut faire bonne impression. Hein? Va quoi, on fait bonne impression? Non, vas-y. Ok, vas-y. Bonjour, mademoiselle, vous êtes charmante. Tais-toi. Merci. Tais-toi. Elle est à moi. Toi, t'as dit bonne impression, moi je m'en fous. Tais-toi. Allez, hop, tiens, 15 or, voilà, 15 or. Merci. Allez, redonnez-moi maintenant mes objets. Ouais, redonnez-moi. Bonne impression. Ah oui, une bouteille. Redonnez-moi. S'il vous plaît, redonnez-moi. Non, mais c'est. Eh, mais c'est un narvalo, mon pote. Hein. Vous avez vu en plus. Tais-toi. Ce grand fou, là. Ok, et les patates, elles sont où, là? Excusez-moi. Ah, j'ai payé des patates, moi. Potato peel. Allez. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, Talca, oh, elle est trop belle, mais j'ose pas lui dire. Vas-y, donne-moi les articles, Tété. Quoi? Non, mais je peux pas, j'ai perdu mes moyens. Genre, Bon, les amis, en vrai, bon, la caissière là, elle est pas là souvent, la vendeuse, hein. Ouais, elle est pas là souvent, mais justement, ça se trouve, on la reverra jamais et elle est super, je la trouve super belle. Je fais quoi? J'ose pas aller la voir pour lui dire, pour lui donner mon numéro ou je sais pas quoi. Vas-y, on rentre, on va à la voiture, on rentre. Vas-y, allez. Non, on rentre pas. Déjà de base, ce qu'on devait faire, c'était voler quelque chose, au final, t'as payé. Parce que elle est trop belle. Encore, ça sera un vendeur. Ça sera un vendeur normal ou une vendeuse que je trouve pas très belle. Bah voilà, on aurait. C'est bon, on serait taillé. Mais là, je peux pas faire un bon. Tu veux faire quoi? Me dis pas qu'il faut que ce soit moi qui aille la voir. Vas-y, t'as le cadeau, va la voir. Va la voir. Attends, je vais donner mon numéro sur un bout de papier. Attends. Viens. Carrément. Ouais. Hop. Mais après, je me casse, hein. Ouais. T'inquiète. Je me dépêche de mettre dans un livre. Tac, ok. Alors, mon numéro. Et là, je mets 06. Ouais, me regarde en plus. 73. 22. Voilà. Alors, c'est pas un vrai numéro, les amis. C'est le numéro de mon téléphone Minecraft. Alors, je mets sign et je mets Oxymose. Tu es très belle. Voilà. Ouais, donc, je le signe comme ça. Bye Oxymose. Donc, elle sait que c'est moi. Tu es très belle. Bye Oxymose et mon numéro. Oh là, j'espère qu'elle va me répondre. Hein. Vas-y. Tu donnes et après, tu pars vite. Vas-y, je pars. Ouais, non, on a rien oublié. En gros, y a mon pote là. Bah, là, il est derrière cadeau la porte. Là. Donne vite et pars. Ah ok, ouais bon du coup en fait on y... Enfin voilà quoi, il y a ça qui est...
Bah du coup, je vous souhaite une agréable journée. Et ça vient pas de moi, hein, ça vient pas de moi. Agréable allez, journée à vous. Et puis bon Ramadan. Au revoir, au revoir. Bon Ramadan. Au revoir. Ramadan Moubarak, madame. Allez. Allez. Tu vois? Ouais. Mais moi, mais t'aurais dû faire semblant de revenir dans le magasin et de faire tomber le livre aussi. Ah ouais, t'aurais pu faire ça. C'est trop demandé ça. Ouais, mais là maintenant elle sait, ouais. Genre je vais me taper la honte. Oui, bah au pire on s'en fout. Ouais, je... Tu recules, recule. Ouais, je peux même pas reculer. Bon, allez, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Oui, je... Bon, les amis, ouais, en vrai, je la trouve super belle. Dites-moi ce que vous en pensez. Eh, moi, je te dis, hein, j'avais un barbecue prévu avec ma famille. Tiens, prends tout. Ouais, c'est moi qui régale. Bon, vas-y, j'y vais, tchao, gros. Tchao. Merci de m'avoir aidé, ça serait même répondre. Eh, je te donne du nouveau, ok. Inch'Allah, tu mets pas un vent. Ouais, Inch'Allah. Allez. Inch'Allah. Allez, hop. Bon, les amis. Oh là là. En vrai, bon, c'est un gros coup de stress. Mais, ouah, je vais peut-être avoir une vraie copine dans Minecraft et tout. Parce que les vidéos Tinder et tout, ça marchait pas. Voilà, il y en a plein qui trouvaient des filles super belles et tout dans les vidéos Tinder, Minecraft et tout. Mais là, regardez. Oh, la vendeuse, elle est trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Bon, bref. Je vais pas en dire plus parce que là, j'ai commencé à rougir là. Bref, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends son SMS. Je vous dirai si elle m'a répondu dans la prochaine vidéo. Donc, c'est pour ça. Abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à la liker. Pensez à la partager. C'est le plus important. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymos pour vous servir. Allez, ciao.